Et salut à tous, c'est Ju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, donc c'est le 9e jour, nous sommes le 9 décembre, le 9e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on se retrouve pour Space Ops de Spec Ops The Line. Je sais plus, attendez, merde, j'ai pas le nom sous les yeux. Bref, Space Ops, je pense que c'est Space Ops The Line, donc c'est les opérations spéciales. Un jeu que je vous conseille, dans tous les cas. Le scénario est super bien. Bon, c'est un FPS classique, mais le scénario est très fort. Vous voyez que j'ai déjà fini le jeu une fois. Quoique, pourquoi il y a cette image là, je ne sais pas. Je pense que ça doit être la fin. C'est peut-être le dernier chapitre où où je vais pas dire ce qui se passe, mais voilà. Moi, le jeu m'a marqué énormément. On va jouer en quoi? On va jouer en opération spéciale, ça doit être du normal. Okay, il faut terminer ça pour accéder à ça. Mais je vais prendre l'opération spéciale. Et on va découvrir le scénario, le début du scénario ensemble, au moins jusqu'au premier combat. Hop, bon bah première bataille. Juste une chose, je vais par contre diminuer l'audio, je pensais pas que c'était aussi fort. Volume sonore, on va mettre à 3. Et volume voix à 3. Il gueule. Je vais juste faire un truc, je suis désolé. Je vais baisser pour vous et je vais baisser dans mon casque parce que c'est super fort en fait. Je m'attendais pas à ce que ça gueule comme ça. Voilà, ça devrait être mieux. Bon, je m'entends plus dans mes oreilles, mais ça devrait être vrai de mieux quand même. Bon, c'est quasiment aussi fort que ma voix donc. Beaucoup de monde. Hop, allez. On te coule. Waouh. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Un souci en moins. Très bien. Ouille. Ouf. Voilà. On s'entend un peu plus. Donc là, on a l'ambiance. On a l'ambiance du jeu qui est posée. Bon. Ça va pas être aussi violent dès le début. Hein. Ça, c'était juste... boum, on vous jette dedans. Je mets le jeu comme ça. Ainsi, je vous remonte le son. Parce qu'il y a une très jolie petite musique. Ah, c'est bon, vous l'entendez. John Conrad est le plus grand homme avec qui j'ai servi. Je sais pas.
Je me rappelle une fois à Kaboul, il a traîné ma carcasse sur une borne jusqu'à l'hélico des vagues. Ouais, ça a dû m'influencer. Mais les faits sont là. Ce type est un vrai héros. Vous vous souvenez quand les premières tempêtes ont frappé? Vous deviez être chez vous, bien tranquille, devant la télé. Eh bien, Conrad et les damnés du 33e quittaient l'Afghanistan. Au lieu de rentrer chez eux, ils se sont portés volontaires pour aider à l'évacuation. Et vous, vous avez envoyé un chèque. Apparemment, Conrad aurait reçu l'ordre de quitter la ville. Il a refusé d'obéir, et le 33e l'a suivi. Bon, l'histoire officielle est encore un peu vague sur la suite. Mais ce qu'on sait, c'est que les tempêtes ont empiré. Vraiment empiré. Aux dernières nouvelles, Conrad guidait un groupe de survivants pour essayer de leur faire quitter Dubaï. C'était il y a 6 mois. Et puis, il y a 2 semaines, on a capté une transmission. Ici le colonel John Conrad, de l'armée américaine. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Les pertes, trop nombreuses. Fouf. Hé chef, capitaine Walker. Qu'est-ce qu'il y a, Lugo? Il y a un problème, chef. Un problème crucial? Non, chef. Alors fais-le remonter, sergent. Bien reçu. Lieutenant Adams? Bien entendu, sergent. Quel est ton statut? Je dirais irrité, chef. T'as dit irrité, sergent? Oui, chef. Une attaque aérienne locale a infiltré la zone américaine formée par mon Falzar. Chef. La ferme. Débile. Messieurs, bienvenue à Dubaï. Bon, il n'y a rien. Où est-ce qu'il en reste? Ça reste à voir, sergent. T'as localisé la transmission? Oui, chef, à environ 800 mètres. Alors dans 800 mètres, on saura enfin qui est le plus merdique. Toi ou cette info? Waouh, si j'étais pas une vraie machine à tuer, j'aurais pleuré. Poum. Bon bah il reste pas grand chose de Dubaï. Yeah. Parfait, n'oubliez pas, l'endroit est considéré comme un no man's land, donc on n'est pas censé être là. Va falloir suivre le protocole, ok? Option. Commande. Z, reculer S, gauche, Q. Lancer une grenade. G. Retour. Ok, super. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, planquez-vous. Prenez vos viseurs. Du mouvement? Non, RAS. Bien. Allez, retrouvez le moyen de descendre. Ça marche. Bah, on va faire ça, je pense, hein. Ah, très bien. C'est bien parce qu'il me... Il me montre où on fallait. D'accord, sinon on serait pas là. Il y a une corde par ici. Ça va nous être utile. Ah tiens, bah oui, je peux pas me mettre sur le côté. Ouh, ça suffit, Lugo. C'était pour rigoler, boss. Ouais, c'est pas le moment. Reste concentré sur la mission. Quelle mission? On vérifie juste que les morts sont bien morts. On suit les ordres. Si on trouve quelqu'un, on repart l'hélico et on contacte le QG. Ils envoient la cavalerie, on rentre chez nous. Ok, très bien. On a une petite arme. Hé, vous avez entendu ça? Arrête.
personne ici, mec. On dirait la transmission. J'étais sûr d'avoir entendu quelqu'un. Allez, qu'on en finisse avec tout ça. Localiser la balise. Hey, y a quelqu'un ? On se montrait pas ? Laisse tomber, y a personne ici. Des cadavres partout. Fou là, putain. Lugo a pas tort. Ah tiens, t'es de son côté maintenant ? On obéit aux ordres, je dirais. L'état-major veut qu'on fouille la zone, alors on fouille. Je sais pas. Moi je trouve que c'est du gâchis pour trois beaux et braves soldats de la Delta Force dans notre genre. On voit plutôt ça comme des vacances. Pour la prochaine fois, moi je préfère les plages avec plus de filles sexy et moins de cadavres. Lugo, ça t'arrive d'écouter les conneries qui te sortent de la bouche? Non, jamais, chef. Sinon après, ça casse mon rythme. Vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. Bien, je veux qu'on sache comme je suis sexy en action. Je crois que c'est là. Ouais, c'est ici. Ouais. C'est bien ce qu'on cherche. C'est pas rassurant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une balise de détresse, mais pas de l'armée. C'est fait avec des pièces détachées. Qui a pu faire ça? Ça a pas la moindre idée. Des gens. Putain de merde. Walker, tu devrais venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Des cadavres. Récent, frais. Il a l'air frais. Il l'est, mais il y a pire, c'est le 33e. Qui a fait ça? Sûrement les types qui nous filent le train. Ça répond pas à la question. T'en fais pas. Je crois qu'on va vite le savoir. Je suis le capitaine Martin Walker. Nous cherchons des survivants. Pourquoi? Pour nous tuer, nous aussi? Non. Vous parlez? On bouge de là! C'était une menace. C'est qui ce type? Des réfugiés! Des survivants de la tempête! C'est bien, non? Préviens l'état-major, touche en courant. Ne plaise pas, ils vont bien arrêter de tirer pour te laisser passer un coup de feu. Hop. Oui, doucement. Option, je vais te faire parler en... Non. Option, audio. Voilà. Comme ça, on s'entendra. Parce que là... C'est bon? J'attends de tuer les ennemis. Disons que c'est plus très sûr en fait depuis un moment là. Ah fuck, mon bouton central de souris ne va plus. Commande. Ordre d'escouade. Je vais te mettre Alt. Non. Je vais te mettre quoi alors? Je vais te mettre un W, bouton centre souris, voilà. J'attends votre signal, capitaine. Lugo, descends-le. Oui, chef. Waouh. Sur le toit du bus. Jérémy, je vais être dans la cible.
Hop. Courez vers le conteneur. Peu violent. Je croyais qu'on venait sauver des gens. Tout le monde le croyait. Merde, c'était quoi? Je capte un appel de détresse. Vas-y, mets-le. Centrale du 33ème, ici la patrouille Alpha. On est attaqué, je répète. Les insurgés nous encerclent. Demande soutien immédiat. Lugo, distance. Environ une centaine de mètres. Allons-y. Nettoyez cette toilette. Ennemi à chef. Plus de munitions, fuck. Et merde. Faut que je me trouve une de leurs armes. Là, il doit y en avoir tout plein quand même. Micro. Ah bien, j'ai trouvé des munitions. Allez, on va les sauver et puis on s'arrêtera ici. Hop. Bien. Où y a-t-il encore du monde? Est-ce que tous ceux de l'extérieur sont éliminés? On dirait. Hop. Merde, il sort par là, il y a pas d'appareil. Adios. Derrière les bagages. Non. Par ici.
Hop. Toujours pas de grenade, hein. Là. Bien. L'on passe. Bien. Nickel. Va falloir vous dépêcher, boss. Il va pas tenir. On est là pour aider. Faut tenir bon, ok? Laissez-moi. Ils ont MacPherson. Faut le retrouver. D'accord. Mais vous devez me dire où ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené... au nid. Le nid? Le nid. Parfait, bien. Et pour Conrad, il est toujours en vie? Lugo, marque les corps sur le tac. Adams, regarde s'il y a des traces. Je veux savoir ce qui se passe vraiment dans cette ville. On a des traces qui vont vers le nord. Alors on les suit. C'est assez... Ouais, le jeu est cool, franchement. Si vous deviez soit le trouver en promo, soit de l'avoir gratuit, parce que moi je me rappelle, j'avais eu gratuit sur Humble Bundle et il est régulièrement donné. Prenez-le et foncez. Et se fermer. Défiez les ordres, ça me plaît. Les ordres, ça vaut rien si c'est pour laisser mourir des gens, Lugo. Si Conrad est encore en vie, ce que je crois, je sais qu'il est de mon avis. Les traces s'arrêtent là. Ça doit être le nid. Ouais, typique. Très post-apocalyptique. Et donc, nous on va s'arrêter ici. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que le jeu vous intéresse. Si c'est le cas, faites exploser le compteur de pouces bleus. Sinon, ben, laissez vos pouces rouges. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains jours du calendrier, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.